Bonjour la famille, comment vous allez? C'est Erito, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de la journée, une vidéo qui concerne Ariel Chiné, Safar Lobiang et Didier Arafat. Oui, Didier Arafat, je vais vous expliquer pourquoi. Plus devant dans la vidéo, et envoyer un petit message à Ariel Chiné et vous informer d'un défi que Safar Lobiang a envie de relever. Voilà, d'aucuns disent que c'est impossible, voire très difficile, mais on verra bien. On se prend juste après le jingle. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. On commence avec Ariel Chiné. Ariel Chiné qui est dans un silence que moi, je ne comprends plus. Voilà. Ton talent est tellement immense pour durer dans un tel silence. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que Debordo Likoufa est ton modèle dans le coupé décalé que tu as envie maintenant de suivre ses traces. Mais le problème avec ce genre de méthode-là, c'est que quand tu viens, il faut toujours venir avec un hit. Parce que quand tu ne viens pas avec un hit, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ariel Chiné, là, je te le dis, hein, c'est vraiment, vraiment difficile. Et ça risque de te boycotter toi-même. Voilà, ce que je ne souhaite pas. Parce que c'est vrai que Simpa continue de marcher un temps soit peu, ça a vraiment vraiment marché, tu as dépassé les 10 millions de vues, peut-être que tu couvres maintenant les 11 millions, mais c'est pas une raison pour rester si silencieux, honnêtement, voilà, déjà que, comme on dit, tu fais bouche-parole ces derniers temps dans tes directs, comme quoi, personne n'a détruit ton Simpa, ce qui est vrai, ce qui est tellement vrai que bon, je n'ai pas envie de trop parler sur ça, mais je ose croire aussi que c'est vrai, que tu as mis tout ce silence là, mais ce qui est en train de venir est vraiment une bombe parce que ça sera chaud. Voilà, parce que ce que tu dois savoir, c'est vrai que c'est risqué d'enchaîner des sons comme le fait Safar Lobiang, mais il y a une condition. Si Dieu te fait la grâce de rester toujours inspiré, ça a ton avantage. Ça, c'est ce qu'il faut aussi faut retenir. Si Dieu te fait la grâce d'être toujours inspiré, c'est à ton avantage. Et je pense que Safar lui fait bien. Voilà, il est toujours dans le tempo. Il sait que pour être stable sur du long terme, il faut enchaîner. Là, au moins, d'aucuns ne diront pas que tu es paresseux. Voilà, et c'est ce que ça fait. Mais par contre, toi, je me dis que tu as envie de faire comme Debordo. Peut-être que je me trompe. Voilà, mais Debordo a une particularité, c'est que lui, il ne chante pas beaucoup. Mais lorsqu'il fait sortir une seule musique, un seul son, c'est pour quand même plusieurs années. Et puis... c'est toujours du balai, c'est toujours un gros hit. Est-ce que tu as cette capacité-là? On te sait fort, hein? Si tu as le talent, tu l'as. Tu l'as grandement même, oh, exagérément je dirais. Mais est-ce que tu as cette capacité-là? Est-ce que tu as ce aura-là? Est-ce que tu as ce charisme-là? Que Debordo a, ça fait maintenant plus de 15 ans. C'est à respecter. Hein? Voilà, on le critique comme quoi il n'a pas beaucoup de sons, il ne chante pas beaucoup. Mais c'est le mec, quand il veut chanter, je suis fier, tu es d'accord? Voilà. Or toi, Tu nous avais mis un rythme par moment accéléré, par moment tu décélais, mais bon, il faut quand même te manier, il faut quand même te bouger, parce que c'est pas toi, ça c'est pas arrêté. Ça c'est pas arrêté. Parce que, à te voir agir ici, on donne tous raison à Debordo, parce que Debordo lui, il te dit qu'il fait sortir un son, le son mousse, ça marche trop. Pourquoi se fatiguer pour aller faire un autre son? Il finit de bien épuiser. L'ampleur, l'envergure de ce son là avant de rentrer en studio. Et c'est ce que tu es en train de dire. Et c'est ce que tu dis toi-même dans tes directs comme quoi le Simpa est trop hard. Donc, faut vraiment, vraiment te bouger. On a vraiment envie d'entendre ta musique. On a vraiment envie d'entendre du Ariel Chiné. Voilà. Et puis, c'est un défi, ça faut le savoir parce que faut que ce soit un hit. Parce que si c'est pas un hit, ça sera un peu difficile. Voilà, pour rattraper. Maintenant, on va parler de Safar Lobiang. Je ne sais pas si c'est confirmé. Mais sur internet, j'ai vu une affiche qui m'a fait rire. Pas parce que l'artiste n'a pas la capacité de remplir ce coin-là, mais c'est parce que je me suis dit, waouh, le promoteur et l'artiste même sont un peu prétentieux. Hein? Le Dockerfell qui réunit plus de 2500 personnes, c'est du costaud. C'est du costaud, mais c'est pas impossible.
Parce que si le jeune groupe Magic Diesel, qui mousse très fort, le jeune groupe Zouglou Magic Diesel qui mousse très fort, a pu le remplir sans difficulté, je pense que Arel Chiné peut le faire aussi. Voilà, on nous parle du 5 juin, c'est encore loin, donc on a tout le temps de le préparer. Parce qu'il faut dire que Arel Chiné, il y a Chiné, Safari Obiang, mérite, à mon humble avis, que ce qu'on a soit rempli. Donc, les amis, vous voyez un peu, on nous dira que le Zouglou est soudé, solidaire et uni. C'est pourquoi ils ont pu rendre un grand hommage comme ça à ce petit groupe Zouglou Magic Diesel. Mais je peux vous dire aussi qu'au niveau du coupé décalé, lorsqu'on a envie d'être solidaire, on est vraiment solidaire. Voilà, on est vraiment, vraiment solidaire. Et je pense que si ce concert-là a vraiment, vraiment, vraiment lieu, on va relever ce défi-là parce que j'ai confiance aussi à la diaspora. Parce que la diaspora aussi, elle s'intéresse beaucoup, vraiment beaucoup au coupé décalé. Voilà. Donc ça parle bien. Dieu merci, la plupart de tes sons mousses. Toi-même, tu marches très fort, tu tournes beaucoup. Donc tu as le temps de faire ta communication autour de cet événement-là. S'il s'avère confirmé. Selon la truc, la miniature même que vous avez vue sur le 5 juin. Et je pense bien que c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Et c'est un défi pour le coupé décalé. Parce que jusque-là, à part Serge Beno à l'Élysée Montmartre qui a fait le plein, c'est un peu difficile. C'est encore un peu difficile pour les artistes coupés décalés de relever ce genre de défi-là. Et on va le faire avec ce jeune artiste-là, ce jeune prodige du coupé décalé qui fait fort actuellement, ça fera le bien. Donc, c'était l'info à retenir, c'était l'info à ne pas manquer. Soyez prêts, fans du coupé décalé, fans de ça fera le bien, fans de la musique ivoirienne, à recevoir ça fera le bien bientôt dans le mois de juin. Si la date est maintenue, si ce show est maintenu, si ce concert est maintenu, et je pense qu'on va relever tous ensemble ce défi-là. Voilà, moi j'ai confiance au mouvement du coupé décalé, et c'est pas impossible. Voilà, 2500, c'est 2500 places, donc 2500 personnes. Oh, les Ivoiriens et les adeptes du coupé décalé dans la diaspora sont plus largement de 2500 personnes. Voilà, c'est très important. Cependant, les amis, j'ai envie de revenir sur un fait qui m'a semblé un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos avec moi. Le show de DJ Arafat à Grenoble. Ah, cette fois que je vous le dis, il s'est très très bien passé. La boîte était pleine. Il s'est vraiment bien amusé avec ses fans. Mais j'ai remarqué un truc que je n'ai pas compris. Est-ce parce que DJ Arafat est en danger ou bien reçoit des menaces de mort ou de lynchage ou de boycott, je ne sais pas. Mais je l'ai vu d'un accoutrement là qui m'a paru un peu bizarre. Il avait mis un gilet pare-balles au-dessus de son habit. Donc j'ai pas compris. J'ai vraiment vraiment pas compris. Est-ce encore un nouveau style de DJ Arafat? Parce que lui, il faut dire que bon, comme c'est une star, il se permet tout, hein. Il peut te porter n'importe quoi. Et puis bon, puisqu'il y a des adeptes qui sont fans de son style et de sa personne, ils vont forcément commencer à faire comme lui. Donc veuillez m'éclairer en commentaire. Est-ce un nouveau style d'Arafat ou est-ce parce qu'il a reçu des menaces? Voilà. Parce que ce serait pas intéressant de voir la vie d'un artiste coupé décalé, très influent du milieu, en danger. Franchement, il faut que ce genre d'agissement là, ce genre de pratique là cesse. Parce que c'est pas intéressant de vouloir intimider un artiste ou de vouloir lui envoyer des menaces. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un nouveau style, en tout cas moi ce style-là, je ne peux pas le faire. Voilà, porter gilet pare-balles, un truc lourd comme ça, pour soi-disant aller en boîte ou me promener, ça c'est pas irritant. Mais si c'est autre chose, comme je suis en train de vous dire là, franchement, il faut éviter ça, c'est pas intéressant. Il faut bien au contraire encourager nos artistes, il faut bien au contraire protéger nos artistes. Donc, chers fans de DJ Arafat, veuillez m'éclairer en commentaire. Je sais que l'artiste n'a pas donné d'explication, mais peut-être que comme il y a des proches fan de l'artiste, je pense que on peut nous éclairer un peu. Les vidéos sont là, c'est son show à Grenoble. Vous pouvez taper DJ Arafat à Grenoble sur YouTube, ça va sortir. Vous allez voir son accoutrement. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Voilà, j'ai un peu tiqué. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est rien de tout ce que je pense. C'est juste des suspicions. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, que ces derniers-là arrêtent. Voilà. Parce que nos artistes, c'est quand même l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Ce sont des ambassadeurs de la musique ivoirienne, donc il faut les protéger au lieu de les intimider. Bref, c'était un peu ça la vidéo d'Héritor. Je récapitule, comme je le fais dans toutes mes vidéos. En fin de vidéo, Arel Chiné est en train de faire comme des bois d'Oly Koufa. On ne dit pas que c'est mauvais, mais il faut avoir la capacité de nous envoyer un hit. Un hit à la hauteur de Simba. Donc tu vois un peu comment le défi est lourd.
Voilà, tu en as la capacité maintenant, on attend de voir. Donc, tu peux prendre ton temps. Voilà, tu peux faire 1 an, 6 mois, 8 mois, comme n'importe où. Mais si ça vient, il faut que ce soit lourd. Et comme je disais tantôt, pour le cas Safara Lobiang, qui a un gros défi bientôt, dans le mois de juin, si la date est confirmée, moi, j'aimerais inviter tous les fans du Coupé Décalé, tous les fans de la musique ivoirienne. En tout cas, si vous entendez confirmation de ce spectacle de Safara Lobiang au Dockefell, une très grande salle que le groupe Majid a pu remplir, franchement, rendez cet artiste-là grand parce qu'il travaille beaucoup pour nous. Il travaille beaucoup pour la musique ivoirienne. Voilà. Et DJ Arafat, j'espère que c'est un nouveau style. J'espère que ce n'est pas parce que tu es en danger que tu as porté ce gilet pare-balles-là. Voilà. Il est très bien de le signifier. Moi, je m'inquiète parce que ça m'a fait un peu bizarre. Donc, c'est un peu ça. Veuillez laisser vos réactions en commentaire. J'en ai besoin pour m'améliorer dans mes vidéos et mieux appréhender les choses. C'était Erito. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse mon pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous les artistes ivoiriens. On est ensemble. Ciao, ciao.